On a reconditionné des caves troglodytes pour faire de la culture de champignons. Alors on a la chance de tomber sur un musée qui fait des champignons de Paris. Allez, on va voir si on peut y rentrer. Première étape, la maison troglodyte. Et alors dedans, on a bien évidemment des champignons. Oh là là, attends, on peut passer par ici. Secret de collectionneur. Cette collection unique regroupe 1000 objets en forme de champignons. Ils viennent de tous les coins du monde car le secret des champignons est de pousser dans tous les pays du monde. Pour constituer une telle collection, il faut être un mycomaniaque passionné. Oh, il y a une lumière dans le mur. Ah oui, c'est ça que j'ai mangé, c'est des rosées des prés, mais ils sont immenses ceux-là. Je vais essayer de les faire pousser dans le jardin. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? C'est des vrais. On dirait qu'il y a comme une araignée qui s'est mise dessus. C'est pas des tons derniers, c'est des trucs doux. Tous les insectes qui sont morts dessus, t'as vu? On les voit? C'est de l'électricité. Oui. Là, c'est des vrais, parce qu'il y a des racines. Ah, la veste de loup. Je sais pas si c'est celui-là, si on marche dessus, il explose. C'est un pied bleu. Ah ben alors, il faut que tu prennes ton sachet. Et tu le remplis à moitié avec du compost. Après, il faut que tu prennes une pincée de mycélium qui est là. Et tu le mets au-dessus. Il faut recouvrir le compost et la semence avec de la terre. Et avec ça, tu devrais être capable de faire des champignons. Cueille-moi sur l'un des sacs de cette salle et croque-moi tout cru. Y a rien. Ils sont où? Où est-ce qu'on peut trouver des champignons à cueillir? Ah, c'est là où il y a des champignons de Paris. Ah bah il faut que t'enlèves la terre, sinon ça va pas être bon. Hein. J'aime mieux quand ils sont cuits. Elle est bonne. Ah oui. Il y a marqué merci de pas toucher aux champignons. Tu m'étonnes. Louis,